Et voilà. Ça avance gentiment. Que la balade continue. Et c'est parti pour une petite journée de trail. Le temps s'annonce bon. Voilà. Que du bonheur. A plus. Et une petite descente. Pour se faire plaisir. Ouhou. Et voilà. On a fini la montée. On a fait un peu plus de 1000 mètres. Et la balade continue. Allez, bientôt fini la première montée. On y go. Et voilà, on arrive gentiment à notre premier sommet. Il fait un peu plus froid là-haut. C'est bon. On se retrouve là-haut. Et voilà. Allez, première fois cette année. On va dire de bonnes sensations. Donc on est redescendu de l'autre côté du Jura. Pratiquement, j'ai envie de dire, en terrain inconnu. C'est la première fois qu'on passe de ce côté du Jura. Le paysage est assez poussant, hein, assez sympa. On continue de courir. Bon, quand on descend, c'est facile, hein. Pas que. Est-ce que dans ce monde inconnu on va avoir des T-Rex? Ouh. En tout cas les Français, on va les voir. Allez, à plus. Et voilà, à peu près mi-parcours. J'ai droit à un petit trône. Il est sympathique. Voilà, on attaque.
Bon, on n'a pas encore fini la montée, elle est bientôt. Elle est juste là en face. Un peu dur cette dernière montée, fatigué. Le temps a changé, un peu de vent de nouveau en haut. Fatigué. Je dois avoir deux gouttes d'eau. Il reste encore 15 bornes pour terminer. Bah, toujours un joli paysage. Allez, c'est reparti. Voilà, on a fini la dernière montée. Un petit moment de repos avant d'attaquer la descente. Et aussi profiter de ce magnifique paysage. On va essayer pas tarder. J'ai plus d'eau. Et voilà. Allez, on y go. Voilà, bientôt retour à la maison. Je vais préfermer tout. Combien de la distance? 62 km. Je suis fatigué. Après un petit moment, il n'y a plus d'eau. On prend ce l'eau, pas potable, donc compliqué. Donc voilà. On a fait jusqu'à présent 11h24 de promenade. Et une petite chute comme d'habitude, rien de grave. Et voilà. Donc c'est Antonio et Alain. Dis coucou Alain. Ouais, coucou. À referme dans la condition. Les conditions étaient bonnes, mais je crois que c'est. Voilà. À une prochaine.